Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition limitée d'une box chouchou que j'adore, la Glossy Box. Vous avez mon code de parrainage si ça vous intéresse, si cette box-ci vous intéresse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'édition limitée Fête des Mères. Je ne sais plus du tout si elle est disponible, honnêtement. Mais oui, c'est ça, je regardais, j'avais pris une petite note. On a une valeur de plus de 178 € dans cette box, donc elle est vraiment très rentable et elle est au prix de, je vous le marque juste là aussi, la box se présente comme ceci et on avait le choix de coloris, en tout cas on avait deux coloris possibles, soit un rose poudré comme ceci ou un lilas ou un bleu il me semble. Je vous mets les photos juste là, mais je la trouve très jolie, donc pourquoi des fleurs? Bah, tout simplement pour la fête des mères, car la plupart des personnes offrent des fleurs à leur maman pour la fête des mères. Donc en tout cas, moi je la trouve très jolie. On a le packaging lambda de la Glossy Box avec ses petites fleurs ajoutées. Et là, j'avais pas vu, je vous épargne mon anglais, je vous laisse le lire directement. Et je peux vous dire qu'elle est très très bien fournie de ce que j'ai vu. Je vous ai attendu, comme vous pouvez le voir, hein, pour l'ouvrir malgré mon petit retard. Et comme tous les mois, c'est très joliment présenté. On a un petit nœud comme ceci avec notre magazine, avec la présentation de tous les produits, les prix. Et au dos, vous avez donc dans un papier de soie, avec le petit logo Glossy Box, tous les produits qui s'y cachent à l'intérieur. Je pioche tout d'abord une petite carte Florève Paris, je ne connais pas cette marque-ci, source active de beauté. Donc je pense qu'on va retrouver la marque Florève, du coup, dans notre édition limitée. Et vous avez moins 20% sur votre cure minceur naturel avec le code Slim Detox jusqu'au 30 juillet. N'hésitez pas à piquer le code si vous êtes intéressé. Je vais faire dans l'ordre du magazine. Tout d'abord, le teasing Joyeuse Fête des Mères. Je vais être maman pour ma part en septembre. Donc la Fête des Mères ou l'hommage à celles qui font le plus beau travail du monde. Pour remercier les héroïnes de notre vie cette année, un joli coffret beauté sélectionné avec soin. Retrouvez 9 produits de beauté incluant 6 full size, vous vous rendez compte? Parmi une sélection de make-up, soins, accessoires que vous allez adorer, il y en a vraiment pour tous les goûts. Découvrez sans plus attendre ce sublime coffret spécial Fête des Mères. Et je peux vous dire que les éditions limitées, elles partent à une allure à chaque fois, la Glossy Box magnifique. Et qui dit édition limitée dit calendrier de l'Avent Glossy Box. Donc bien évidemment, je vous le présenterai comme tous les ans parce que c'est un calendrier que j'adore. Puis regardez-moi ça, il est tout simplement magnifique. Il commence un petit peu à fatiguer parce que mon chat, si vous ne connaissez pas la mascotte, est un Maine Coon. Il est assez gros, il aime bien se poser dessus, donc doucement ça s'affaisse. Voici, donc passons au premier produit. Je pioche tout d'abord ceci, c'est de la marque Affect. C'est un full size. Je pense que c'est une poudre libre. Elle m'a l'air vraiment très fine, donc je pense qu'elle va vraiment me plaire. C'est un produit qui a une valeur de 9,40 €. Je ne connais pas du tout la marque Affect. Poudre de riz transparente matifiante. Donc oui, c'est ça. Mais écoutez, je vais la tester directement avec vous. Et comme je n'arrive pas à l'ouvrir, je vais faire ça un petit peu à la barbare directement en tournant. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est joli, ça fait une petite étoile de neige. C'est sympa, c'est joliment présenté. Et ça, j'apprécie énormément, vous savez quoi? Parce que sur les poudres matifiantes comme ça, généralement, on n'a pas de petits rebords crantés. Donc, quand on arrive à la fin, eh ben, on galère à l'enlever. Et là, ils ont vraiment pensé à tout. Donc, c'est super. Et du coup, je vais la tester comme ça. Alors, si vous avez reçu cette poudre, il y a une protection ici, sur le petit tatami. Et vous avez également une protection encore à l'intérieur. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est pas que votre produit ne fonctionne pas. C'est qu'il y a double protection. Ah oui, elle est très 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 soyeuse. Oh, elle va me plaire celle-ci. Elle va me plaire. J'ai tendance à les finir très très vite, donc comptez sur moi pour vous en parler dans les prochains produits finis. On commence bien avec ce premier produit. J'aime beaucoup faire des découvertes, et donc là c'est une découverte de marque. Je vais la tester volontiers. Moi j'aime beaucoup la poudre By Thierry, et elle s'y rapproche. Honnêtement, j'ai l'impression qu'elle s'y rapproche. Elle est très fine, très soyeuse. Donc vraiment hâte de la tester. Le prochain produit, une marque que j'affectionne beaucoup aussi. C'est la marque Kirines. J'adore ça, donc j'espère que je peux la tester. Je vous mets les composants comme d'habitude. C'est un produit qui a une valeur de 44,90 €. Waouh ! On est super gâtés.
Franchement, merci Glossybox. On a un format de 50 millilitres. C'est donc le masque premium anti-âge global. Donc, je crois qu'il faut commencer les anti-âges à partir de 25 ans. Donc, ne le prenez pas mal hein, si vous avez reçu ce produit ici. Et donc, ils nous disent qu'il agit à la source pour corriger un à un les méfaits du temps et redonner une force et un confort incomparable à la peau. Utilisez une à deux fois par semaine en couche épaisse, laissez poser 10 à 15 minutes. Les masques Kirinette, ils sont vraiment extra. Hein, si vous ne connaissez pas cette marque-ci, et ils se présentent comme ça. Donc je ne vais pas encore l'ouvrir car je ne sais tout simplement pas si je peux l'utiliser ou pas en étant enceinte. Mais je pense que je me le garderai pour plus tard si je ne peux pas l'utiliser de suite. Donc super contente. J'ai l'impression, en tout cas, ça laisse penser qu'on a un masque doré à l'intérieur, le Wrap Temps Sublime. Voici pour ce masque. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. Oh, le prochain produit, il est superbe. C'est de la marque Babor. C'est un produit make-up et il s'agit d'un rouge à lèvres crémeux en teinte numéro 04, le Nude Rose. Ça a une valeur de 24,90 €. Mais vraiment, on a des superbes produits. Si vous hésitez sur une box, honnêtement, enfin une édition limitée de la Glossy Box, foncez quand vous la voyez. C'est un conseil que je vous donne, un conseil d'amis, parce qu'elles partent très 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 vite et comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. Regardez-moi ce packaging. Oh, le packaging du rouge à lèvres, mais je suis bluffée. Magnifique. Je crois que je ne connais pas la marque Babor, sauf erreur de ma part, hein, mais je crois que je ne connais pas. Très luxe, il est magnifique. Cet écrin-là, waouh! Je pense qu'elle va me plaire, cette petite couleur. Je vais vous la tester. Oh là là, qu'est-ce qu'il est crémeux. Quand je l'applique, il est ultra crémeux, très soyeux. Il est vraiment très beau. Là, j'ai passé deux petites couches. Vous pouvez plus intensifier, hein, bien évidemment, en insistant. Mais il est superbe. Alors oui, je sens même les rouges à lèvres, hein, si vous me connaissez. Mais si c'est trop chimique, c'est pas possible. Mais ce packaging-là, magnifique. Alors là, vous sortez ça de votre sac pour vous l'appliquer, c'est la classe. Alors lui, j'ai vraiment hâte de le tester. Ce sera certainement testé dans une prochaine vidéo. Je pioche ensuite un produit de la marque Figzen Rouge. J'ai un produit de cette marque-ci que je n'ai pas pu tester, étant donné que les composants, c'était pas tip top. Je crois que c'était un primer, d'ailleurs. Je crois que c'était ça. Donc là, j'espère que ce sera mieux. En tout cas, les packagings, ils sont toujours aussi jolis, hein, cette marque-ci. Je tiens à le dire, c'est le Wonder Love Rose Glow. Ben, c'est un full size, donc de 30 millilitres qui coûte 31 €. Très gâté encore une fois. Et cette fois-ci, alors, c'est un illuminateur multifonction Halo Drops. Les gouttes Halo de Figzen Rouge, nourrissantes et enrichies en vitamines, vous laissent un teint éclatant et lumineux. Il a été conçu pour convenir à tous les types de peau et peut être appliqué soit mélangé à un fond de teint ou un hydratant pour un éclat plus naturel, soit appliqué sur le maquillage comme illuminateur pour se démarquer. Alors là, il m'intrigue. Il m'intrigue énormément. Je vais le tester. Et c'est une petite crème lactée nacrée rose. Elle est super jolie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors par contre, c'est très très fluide, donc j'ai peur que ça déplace le maquillage. Mais qu'est-ce que c'est joli! Waouh, c'est trop joli! J'ai limite déjà envie de le tester, mais j'ai un petit peu trop d'highlighter. Mais en tout cas, canon! Je suis curieuse et j'ai hâte de pouvoir le tester. Si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire bah, comment et si c'était sur le maquillage, si ça vous déplace la matière ou pas. Mais en tout cas, très contente de cette découverte. Nous n'avons pas fini! On n'en finit plus vraiment avec cette édition limitée. Et tout à l'heure, je crois que c'était... Oui, c'est ça. Je vous parlais de la marque Florève. Et bien, regardez, on a forcément un produit de la marque Florève Paris. Source active de beauté. Le Inglow Masque Éclat hydrate instantanément et illumine le teint. C'est un masque en tissu à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera. Il se présente comme ceci. Je ne connais pas du tout. Et c'est un produit full size qui a une valeur de 5 €. Donc ça, c'est toujours utilisable pour les soirées, cocooning, bougies, Netflix, pour prendre soin de soi, donc ça, ce sera utilisé. Ensuite, un produit maquillage d'une marque que j'affectionne, c'est la marque Ciaté London. J'ai d'ailleurs des blushs, j'ai des fards à paupières, des palettes,
Enfin, j'ai plein de produits de cette marque-ci, je l'adore, vraiment je l'adore, tant au niveau des packagings que des produits, c'est une marque que j'affectionne. Et là, oh génial, je crois que j'ai jamais testé de mascara, c'est un mascara, le Cité London Wonder Wand, donc le mascara, mascara noir. Hein. Et là, je pense que c'est un format voyage, oui, travel size, effectivement. Ça a une valeur de 7,50 €, on a quand même une très très belle valeur, hein. Jusqu'à présent, deux box dans sa globalité. Et ils nous disent que c'est un mascara volumisant qui allonge intensément les cils et qui crée le plus bel effet qui soit. Donc super contente, j'espère qu'il va pas me décevoir. La brosse elle est bien, mais je sais pas si vous pouvez voir, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de mascara en fait. J'ai pas de matière donc ça m'inquiète un petit peu. Je vais tenter de le remouliner. Ouais, bah écoutez. À tester, je sais pas si ça vient du format travel size. Mais j'ai l'impression que la matière ne se met pas sur toute la brosse. Donc si vous l'avez déjà testé, si vous le connaissez, n'hésitez surtout pas à m'laisser vos commentaires. On a encore trois produits et là c'est une marque superbe. C'est un coffret qu'on a cette fois-ci. C'est une marque qu'on reçoit souvent, que ce soit dans la Glossy Box ou la Look Fantastic. C'est de la marque e-cooking, e-cooking plutôt. Et celui-ci, le peeling mask, on l'a reçu récemment. Je ne sais plus dans quelle box. Mais là, on en a trois. Donc, c'est superbe. Et donc, c'est un produit full size qui a une valeur de 20 €. À l'intérieur, on a 3 fois 15 ml. Donc, on a le peeling mask, le moisturizing mask et le night cream. Là, je vais vous en dire un petit peu plus. Routine skincare de nuit, night beauty treat. Ce superbe ensemble de trois soins de nuit comprend un masque peeling pour apaiser la peau et resserrer les pores, donc c'est le violet. Un masque hydratant rempli de vitamines et de beurre de karité pour adoucir la peau, donc c'est le vert. Et pour finir, une crème de nuit, donc là c'est la marron glacée tout en haut, à appliquer avant le coucher pour que la peau soit traitée efficacement toute la nuit. Donc là, ravie. Franchement, je suis trop contente. J'espère encore une fois que je vais pouvoir les utiliser enceinte. Je suis pas sûre parce que je crois que ça contient des huiles essentielles. C'est très bien présenté en tout cas. Regardez-moi ça. C'est canon pour un cadeau, franchement à petit prix en plus. Même, je pense déjà, oui, au cadeau de Noël. C'est une très bonne idée. Les fans de maquillage, le produit suivant est pour vous. Très bien emballé dans du papier bulle. Donc, normalement, on n'a pas de casse. C'est un produit de la marque Luvia Cosmétique. Je ne connais pas cette marque-ci. Oh, alors c'est étonnant. C'est un full size, mais c'est une palette pour sourcils vegan. Alors c'est quoi en format crème, en format poudre? Je sais pas. Non seulement elle attire l'attention à l'extérieur avec son joli design, c'est vrai, il est très joli, mais elle surprend à l'intérieur avec trois nuances différentes grâce à sa formulation très pigmentée. Elle souligne sans effort les sourcils et ces nuances peuvent être combinées entre elles ou être utilisées individuellement. Ça a une valeur de 17 €. Et là, voici comment se présente la palette. Oh, alors ça, c'est très sympa. On a un joli petit miroir à l'intérieur. Ça, c'est toujours bien pratique. Et ben, c'est des formes à poudre. Si vous l'avez testé, je suis preneuse. Donnez-moi vos avis. Je pense que pour ma part, je ne vais pas l'utiliser de suite, je vais vraiment attendre vos avis. Mais je suis assez curieuse. Donc, on a trois teintes, hein. Vraiment une teinte très, très, très foncée, une teinte mocha et une teinte assez claire. Donc, moi, je suis plus vers celle-ci, je pense, à tester. Et pour finir, je pioche un dernier produit qui est trop mignon. C'est de la marque Odile Le Coin. Et là, d'ailleurs, le fluide, là, je vais y arriver. C'est un fluide pour les cheveux que j'utilise pas assez, d'ailleurs. Il faudrait que j'en mette de la marque Odile Le Coin. C'est une marque assez onéreuse. Là, c'est un produit travel size de 10 ml et ça a une valeur, ce produit-ci, de 18 €. Et c'est le sérum visage Je suis le sérum. Cet incroyable sérum d'Odile Le Coin aide à restaurer l'élasticité et la tonicité de la peau, vous laissant avec un aspect plus jeune et anti-âge. L'élastine marine prévient le relâchement et les acides aminés vous donnent un aspect lisse et velouté. Pour un résultat optimal, appliquez chaque matin sur le visage et le cou avant le maquillage. Et il est vraiment trop mignon. Mais en tout cas, les packagings d'Odile Le Coin sont vraiment très très beaux à chaque fois. Je vous montre le produit derrière. Mon produit, c'est Or Je M'Envole, l'eau extraordinaire. Et ben, je vous disais n'importe quoi, c'est pas un produit cheveux, donc j'utilise vraiment pas assez.
Pulvériser une fine brume d'or, je m'envole pour hydrater et revitaliser votre peau matin et soir. Regardez, je vous parlais du packaging. Il est super joli, ça fait vraiment très très luxe. Oh, c'est trop mignon! Regardez, même le format voyage, il est super mignon. Oui, c'est un format pompe. Ça sent bon comme ça. Mais ouais, à tester. J'espère également que je peux le tester. La présentation de cette édition limitée Fête des Mères de Glossybox est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je la trouve sublime. Très très belle rentabilité. De toute façon, c'est rare que je sois déçue par la Glossybox. On se retrouve très très vite, promis, pour de prochaines vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!